vous êtes sur la radio de la résistance congolaise, la voix du peuple libre. Nous venons ici à Paris rencontrer un grand résistant que vous connaissez tous, Monsieur Lufuala Nkandi. Monsieur Lufuala Nkandi, bonjour. Bonjour, monsieur. Nous avons appris que le général Sassou Nguesso sera à Paris pour rencontrer Emmanuel Macron. Quel est votre avis là-dessus en tant que grand combattant et grand résistant? Comme d'habitude, nous serons là pour l'attendre. Nous ne sommes pas les gens de la fausse diaspora à qui on a donné de l'argent pour empêcher les gens de manifester. Nous l'attendons ici de pied ferme. Nous allons manifester contre ce criminel Sassou Nguesso qui vient avec toute sa racaille. Nous l'attendons ici. Moi, c'est Lufuala Nkandi. Paris ne tombera jamais. Ce n'est pas parce qu'on donne des miettes à certaines personnes qui n'ont rien à voir avec la diaspora et que nous, les Lufuala Nkandi, nous allons laisser faire, nous ne laisserons jamais faire. La lutte continue. Je vous le dis, la lutte continue. Paris ne tombera jamais. Vous avez compris, monsieur? Merci beaucoup, merci. Vous êtes sur la voie du peuple libre. Merci. C'était un grand résistant qu'on vient de rencontrer, monsieur Lufuala Nkandi, qui dit que Paris ne tombera jamais. Sassou Nguesso sera vaincu. Il a été monté Python par les employés de Total. Et nous avons les preuves. Total a tellement commis des crimes. Comment peut-on accepter que ce même entreprise recrute des mercenaires pour soutenir un dictateur? Je dis bien, je précise bien, recrute des mercenaires pour soutenir un régime moribond, pour soutenir un criminel qui est là depuis tant d'années, plus de 40 ans. Quelqu'un qui n'a jamais été condamné. Est-ce voilà le peuple congolais, bonjour. Nous sommes à Total là. Non. Et on vous attend. Voilà pourquoi nous sommes. Donc dépêchez-vous. Alors, on est vendredi 4 novembre aujourd'hui, devant Total. Voilà, venez. C'est pour l'intérêt du Congo, l'intérêt des Congolais. Voilà, notre pays est pillé. Vous et moi, on est obligés d'être réfugiés ici en France. Et vous êtes assis chez vous là-bas à la maison. Venez, on vous attend. Si vous demandez, excusez-moi, le salaire, cela est inadmissible. Voilà, chers compatriotes, ce que vous voulez, je laisse la parole à bien d'autres personnes. Regardez. Qui prend votre argent? Total énergie. Leur armée, dans nos pays, c'est une armée de voyous qu'on attend à l'Ukraine, en Ukraine, mais ils sont là pour piller les richesses d'Afrique en fait. C'est ces armées-là qui sont là, qui protègent les dictateurs. Et ceux-là, ce sont les gérants qui prennent notre argent. Actuellement, le baril de pétrole a atteint son apogée. Plus de $150 le baril de pétrole. Et au Congo, ils avoisinent 1 million de barils par jour parce qu'ils ont augmenté actuellement la production. Le peuple congolais doit savoir, si tu ne manges pas, que rien n'a changé dans ta situation. À cause de Total. C'est à cause de Total. Oh, honte! Ceux-là, ils mangent. Oh, honte! Ce sont des Congolais que ça soumet ça. Faites tomber. En femme. C'est elle qui est devenue Total aujourd'hui, qui a donné les armes à Sassou Nguesso pour qu'il devienne président du Congo Brazzaville, le dictateur. Qu'il revienne au pouvoir. J'appelle à toute la jeunesse congolaise de se lever. Il faut faire partir cette entreprise de notre pays. Il faut les chasser. Si vous voulez vous délivrer, il faut chasser cette entreprise de votre pays. Ils prennent gratuitement le pétrole là-bas. Ils vous donnent des billets qu'ils fabriquent à Chamalières, qu'on appelle, on ne sait pas. C'est des papiers qu'ils impriment à Chamalières. Ils ne payent pas. Les francs de colonie. Ils viennent vendre ce carburant au peuple français, qu'ils exploitent aussi. Et vous devez le savoir. La solution, il faut les chasser. Ce sont que des voleurs. Ce sont des responsables des crimes de sang dans le continent africain de notre pays. Et c'est un appel que nous faisons à toute la jeunesse africaine. Vous devez vous lever chasser cette entreprise. De toute la vie. Rencontrer le multinational qui accompagne les dictatures en Afrique. Total, depuis plus d'une vingtaine de mois, soutient un dictateur au nom de Denis Sassou Nguesso. Total a aidé Denis Sassou Nguesso à revenir aux affaires. Il a soutenu ce criminel de guerre à tuer les Congolais. Et depuis un demi-siècle,
aujourd'hui à masquer le crime de Denis Sassou Nguesso. En 2015, on se souviendra encore quand Total a appuyé Denis Sassou Nguesso à mater la dictature au Congo. Ce même Total a aidé Denis Sassou Nguesso à revenir au pouvoir, à masquer sa dette pour bénéficier de l'aide du FMI. Et voilà ce qu'on peut faire en Afrique. Au lieu d'être aux côtés des peuples. Venez. Monsieur Kouyané. Vous faites, vous les Français, vous faites la leçon aux autres peuples que vous êtes bien civilisés. Mais à cause de vous, les gens meurent tous les jours chez nous. Tous les jours. Il y a des génocides au Congo Brazzaville. Et vous dites que vous êtes civilisés. Incapables d'accorder le minimum à notre peuple. Mais sachez que. Sachez. Ça marche pas, c'est pas ça.